Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Nous voilà déjà à la 8e chronique de la salle de bain. Et puis, comme d'habitude, eh bien, je vais commencer par une histoire. Un soir, un vieil indien raconte à son petit-fils la bataille intérieure qui existe chez chacune des personnes sur Terre. Et il lui dit, « Mon fils, à l'intérieur de chacun de nous, il y a une bataille entre deux loups. L'un représente le mal. C'est la colère, la tristesse, l'avidité, l'amertume, le mensonge, l'ego, l'orgueil, la fierté. Et puis l'autre représente le bien. C'est la joie, la compassion, l'empathie, la bienveillance, l'amour, la foi. » Après avoir entendu cette histoire, le petit-fils a réfléchi un long moment et il a demandé à son grand-père, « Mais grand-père, à la fin, qui gagne la bataille ?» Et le grand-père a répondu, « Celui que tu nourris. » Je suis sûre que tu connais cette histoire. Et il y a quelque chose de très vrai, n'est-ce pas? On lutte tous les jours avec ces deux loups. Il y a un verset dans la Bible qui l'illustre très bien, en fait, qui dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce verset se trouve dans Romains, au chapitre 7, verset 19. Aujourd'hui, on nous propose toutes sortes de méthodes pour lutter contre notre mauvais loup. Alors, il y a la pensée positive, la méditation, la relaxation, il y a des pilules, il y a des séminaires, il y a des expérimentations en groupe, pas en groupe, on te fait jeûner ou non. Enfin, il y en a toutes sortes. Mais je peux déjà te dire qu'en fait, à la longue, ça ne marchera pas. Oh, je suis sûre que tu me dis, si, je t'assure, je vais beaucoup mieux, je suis beaucoup plus zen, tout va bien. Mais ton mauvais loup reviendra toujours, quoi que tu fasses. Ce que la société aujourd'hui ne dit pas, en fait, c'est que notre nature humaine, elle est pourrie depuis le début. Quoi qu'on fasse, on peut lutter de toutes nos forces, le mauvais loup reviendra toujours. En fait, quand on y pense, c'est assez désespérant, n'est-ce pas? C'est comme si on nous demandait de ramer avec des brosses à dents et traverser l'Atlantique. C'est quasi impossible. Mais nous avons la bonne nouvelle en fait, la bonne nouvelle de Jésus. Parce que lui, il est venu en fait pour combattre notre mauvais loup. Et ce mauvais loup, dans la Bible, il s'appelle péché. Je sais que tu le sais déjà, mais il est important de s'en souvenir. Dieu aimerait faire partie de ta vie. Il aimerait avoir une relation avec toi. Et il aimerait combattre ce mauvais loup avec toi. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il nous laisse toujours le choix. Tu peux dire oui. Tu peux dire non, mais si tu dis oui, alors il y aura certainement des changements à faire. Et il y aura des choix à faire dans ta vie. Qui est-ce que tu nourris? Le mauvais loup ou le bon loup? Est-ce que tu vas devoir faire face à la colère que tu n'as jamais voulu voir? Est-ce que tu vas peut-être devoir aller demander pardon à ton frère, ta sœur, ton ami? Est-ce que tu vas enfin admettre que tu as un problème avec l'amertume dans ta vie? Chacun a ses luttes, chacun a son mauvais loup. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que nous savons que Jésus a combattu le mauvais loup pour nous et il a gagné en mourant sur la croix pour nous. Alors on peut lui faire confiance que lorsqu'on dit « oui, je suis d'accord que tu viennes dans ma vie », eh bien il prendra les choses à bras le corps et il le tuera ton mauvais loup. Bon, je ne te dis pas que ce loup ne va pas revenir hurler de temps en temps, mais cette fois-ci, tu ne seras pas toute seule. Tu pourras dire, eh ben moi j'ai Jésus avec moi, et il combattra avec toi et pour toi. Il y a un verset dans la Bible qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie, et celui qui me fortifie, c'est Jésus. Quelle grâce de savoir que lui a déjà gagné le combat. Alors je t'encourage cette semaine à faire face à ton mauvais loup. Nommer les choses, c'est déjà un premier pas. Et puis ensuite, quand tu auras fait ça, dire à Dieu, je te le donne, fais-en quelque chose. Et puis à continuer à persévérer et à nourrir ton bon loup avec de la gratitude, de la reconnaissance. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt.
Thank you.